Première lettre de l'Esprit aux sept églises. À l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit. Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place si tu ne t'es pas converti. Pourtant, tu as cela pour toi que tu détestes les agissements des Nicolaïtes et je les déteste moi aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il? N'est-ce pas la foi qu'avait le publicain, décrit un peu plus loin dans ce même évangile de Luc? Ce publicain qui se tenait bien loin de ce pharisien si convaincu lui-même de sa propre excellence? Ce publicain qui, n'osant même pas lever les yeux au ciel, implorait le pardon de Dieu, tant il se savait éloigné de lui, tant il se savait pécheur. Et pourtant, ce fut bien ce publicain qui fut justifié, et non le pharisien. Il fut justifié par son abaissement, par son humilité, certes, mais aussi, et en fin de compte, peut-être surtout, il fut justifié par sa foi. Cette foi qui, malgré la conscience extrêmement douloureuse qu'il avait de son état de pécheur, cette foi qui lui donnait la force de se présenter devant son Dieu pour demander pardon. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il seulement la foi sur la terre? Aujourd'hui, en contemplant le désastre qui est devant nos yeux, aurons-nous cette foi? L'avons-nous? En ces temps où la fausse science de l'homme prétend remplacer Dieu, où l'innocence est bafouée jusqu'au cœur même du sanctuaire de la conception de l'homme, la confusion règne. Tout est inversé. Ceux qui doivent éduquer et élever les enfants les dévoient et les abaissent. Ceux qui doivent protéger et unir maltraitent et divisent. Ceux qui doivent soigner rendent trop souvent malades. Et dans ce contexte, où, comme il y dit en Matthieu,
L'iniquité se sera accrue à un tel point que la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce qui marque le plus est en effet cet incroyable phénomène d'indifférence. Indifférence vis-à-vis de l'ignominie, de la loi dite de bioéthique, dont le nom souligne si bien l'inversion métaphysique que nous vivons, tant cette loi n'a rien d'éthique. C'est une loi d'abomination. Indifférence aussi d'un peuple qui, n'étant plus à Dieu, se trouve déraciné et se laisse dériver au gré des courants hypnotiques, des idéologies stériles. Face à ce constat, on pourrait se dire que tout est foutu. Et en effet, tout est foutu. Tout est foutu du point de vue strictement humain. C'est vrai, c'est une évidence. Mais comme le publicain, malgré cette douloureuse conscience de notre lamentable état de putréfaction, parce que nous avons la foi, parce que nous avons confiance en toi, Seigneur, nous nous présentons devant toi pour demander pardon. À l'heure où l'humanité s'ouvre au clonage, réponse de la France et du véritable Israël de Dieu, à la suite de sa faute, à la supplique du Seigneur en sa lettre à la première Église. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première, sinon je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens pas. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie. Ô Père, bien-aimé Créateur, source en notre chair de vos torrents vivants de lumière et d'amour, apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité et notre temps désolé, notre esprit et notre cœur dans votre paternité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous depuis le sanctuaire de notre conception sur le chemin de la vie véritable, en ces jours où l'humanité tout entière a voulu décider d'abominer votre arbre de vie, d'injurier votre silence créateur et fécond au cœur même du sanctuaire du Saint des Saints de notre corps originel qui vous est réservé à vous seul, dans le temps comme dans l'éternité. Ne vous éloignez pas des faibles pèlerins que votre amour veut garder dans sa main. Introduisez-nous en vos regards miséricordieux. Plongez-nous dans votre sein de Père. Imprégnez-nous de vos douceurs. Ouvrez-nous les portes de la lumière et de l'amour. Emportez-nous toujours plus loin et très haut, dans les profondeurs de votre bonté de Père. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de votre présence créatrice, libérante et vivante. Et que chaque minute nous emporte plus avant, dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme pourra crier l'immense réparation de vos fils et de vos filles, s'immergeant dans l'océan de votre miséricorde et dans le cœur ouvert
du Verbe fait chair. Amen. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui t'abominent, te blasphèment, dévastent ta paternité vivante dans le sanctuaire du corps originel de l'homme qui t'est réservé à toi seul. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié pour ce scandale du monde. Délivre-nous de l'esprit de Satan. Pitié pour que ton règne arrive. Sauve-nous. Il en est encore temps. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du diable. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, Reine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, tissée à la grâce même de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1 000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux. Tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Car il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Et tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, je veux le glorifier,
De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette prière de demande de pardon public. Merci à Farida de nous accueillir sur sa chaîne. Merci à Roman pour la technique. Voilà. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle prière. Gloire à Dieu. Shalom lach Miriam, me'ata chesed, Adonai imach, beruchat banashim uvaruch, peribit nech Yeshua. Miriam ha'kedoshah, Miriam HaKedoshah.